Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ben moi je vais merveilleusement bien. Alors j'attends de voir qui c'est qui est là pour une guidance offerte. Ok? Nous sommes en direct, c'est magique, c'est magnifique. Aujourd'hui, je vais utiliser l'histoire des sorcières ici présent. Et je vais utiliser aussi l'oracle des métamorphes. Ok? Allez, c'est parti, j'attends de voir qui c'est qui est là pour cette guidance. D'ailleurs, vous pourrez revoir cette guidance qui va arriver sur YouTube. Voilà. Salut Ferrudeur. Allez, vas-y. On peut poser une question? Vas-y, je suis là pour ça. Et en plus, là, tu pourras re-regarder parce que je suis en train de filmer en même temps pour YouTube. Allez, salut Daniel. Bienvenue à Faker, à Daniel Ronchamp. Allez, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit cœur, et puis partagez ce direct pour qu'un maximum de personnes viennent, ok? Alors, c'est parti. Salut Joël. Comment vas-tu? Je vais très bien. Salut Jacques. Et c'est parti, on y va sans plus tarder parce que je voudrais faire passer un maximum de personnes. Ok? Bien sûr, vous pourrez me retrouver même ce direct sur ma chaîne YouTube. Voilà. Très bientôt. Alors, salut Fiona, Franca, Francesca, Gwenola, Potier et tous les autres qui vont arriver. Allez, alors, horreur Moretti, 1er janvier 76, vais-je porter ma grossesse à son terme? Alors, on va voir pour toi, horreur. Ok? On va se focaliser sur horreur. Est-ce que je vais porter ma grossesse à son terme? Est-ce que horreur va porter? Tu vois, pour toi, Aurore, est-ce que je vais porter ma grossesse à son terme? C'est un petit peu vague là aujourd'hui. Cette question-là. Donc, tu pourras regarder, tu verras le tirage qui. Tu verras en fait le tirage. Mais ici, j'ai la fille de Poséidon. Donc, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Cette lame, en fait, elle explique très clairement. Alors, je vais la mettre ici, voilà, comme ça vous verrez mieux. Ok. Et tout simplement, cette lame, en fait, elle explique une seule chose. Que est-ce que ta grossesse va arriver à son terme? Oui, mais il va falloir que tu prennes du temps pour toi. D'accord? Ici, on voit la lame de la force et de la résilience. D'accord? Ici, on voit la lame de la force et la résilience. Et cette lame, en fait, elle explique quoi? Bah, que tout simplement, ta grossesse, elle va arriver à son terme, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour toi.
respire profondément et tu verras que les choses vont bien se passer. Si tu sens quelque chose arriver assez rapidement, c'est que tu n'as pas pris du temps pour toi. D'accord ? C'est très important de prendre un moment pour soi. D'accord ? J'espère que ça aura pu te répondre cette guidance ou pas. C'était un petit peu complexe cette question. Le message venait pas. Des fois ça arrive, hein, ok. Alors, on va voir. Salut Diane, comment vas-tu? Stéphanie, Jérôme, Benjamin, Sabine, Christian, Virginie, Elodie, coucou. Ça va? Bah oui, je vais très très bien. Comment vas-tu Virginie? Magnifique. Alors Virginie, je peux te poser une question. Ok. Je te remercie beaucoup, ta réponse me va complètement, magnifique. Oh, formidable. Allez, c'est parti, on y va, on enchaîne, hein. N'ayez pas peur, ok. On y va, hop. Alors, Elodie, comment vois-tu ma vie pro après ma formation et mon diplôme de sophrologue? Merci, merci. Alors, les amis, on va voir pour Elodie, 23 juillet 87, comment vois-tu ma vie professionnelle après ma formation et mon diplôme de sophrologue? On va voir. Ah, vous voyez? Tu pourras regarder la vidéo, d'accord? Je suis en train de filmer en même temps. Comme ça, tu verras d'une autre façon les cartes que je tire. Ok, Ludodi? Voilà, vous voyez pour Elodie, magnifique, hein? On voit bien les trois lames ici. Donc tu vois Elodie, on a la première chose magnifique, tu vois elle parle mais énormément. Au niveau professionnel, donc après ta formation et ton diplôme de sophrologue, donc déjà d'une, après ton diplôme de sophrologue que tu vas obtenir, tu vois, parce qu'ici on a la lame minuit l'heure du crime, d'accord, vous voyez ici, donc la créativité, le génie, l'écriture, l'inspiration artistique. Bah, tout simplement, cette lame, elle explique quoi? Que ton diplôme de sophrologue, bah, tu vas l'obtenir. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Magnifique, félicite-toi pour cette belle réussite que tu vas avoir. Ok? Parce qu'il y en a, ils vont pas jusqu'au bout. D'accord, Elodie? Il y en a, ils vont faire une formation et ils s'arrêtent au milieu. Ou alors, ils croient pas en eux. Et ne l'obtiennent pas. Donc toi, déjà, tu vas obtenir ton diplôme de sophrologue et waouh, c'est magnifique. Alors après, ta vie professionnelle après ta formation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir encore continuer. D'accord? Ici, on a le grattage. D'accord? Je sais pas si on voit bien. Regardez. Voilà. Et tout simplement, cette lame, c'est le grattage, c'est ton estime de toi, d'accord? Donc, pour que des choses arrivent, que tu aies par la suite des clients, que tu puisses arriver à vivre professionnellement de ton métier, bah tout simplement, il va falloir mettre en place une confiance totale entre toi et tes clients, entre toi et tes clients, voilà. Donc, faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Et la première des étapes, après, pour ta vie professionnelle, c'est d'écouter la sagesse. Écoute ta sagesse. Écoute l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui résonne en toi professionnellement? Ta guidance intérieure, elle est là pour toi. Qu'est-ce que tu ressens? Si tu as des doutes
au niveau professionnel, après ta formation de sophrologie, d'avoir des clients, d'avoir peur de ne pas avoir des clients, d'avoir peur de ne pas réussir, c'est qu'il y a des doutes, des croyances, des blocages qui t'empêchent de croire en toi. Donc, un manque d'estime de toi, un manque de confiance en toi, il faut le relever. Il faut qu'il y ait une certitude. Ce ressenti, c'est une certitude. D'accord ? Donc, après, niveau professionnel, si tu veux accompagner les personnes en sophrologie et qu'ils ressentent qu'il n'y a pas cette certitude en toi, ce manque d'estime et ce manque de confiance en toi et d'amour de toi, il va y avoir un blocage. Les clients ne viendront pas. Il faut travailler sur ça. La sophrologie, d'ailleurs, tu comprends que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'accord ? Donc, la sophrologie, je l'ai appris aussi. D'accord ? Donc, je sais comment faire pour faire ressentir cette confiance aux autres personnes. Donc, apprends à être dans l'ancrage au niveau professionnel. D'accord ? Ça va pas être facile, d'accord? C'est long, faut apprendre la patience. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Voilà, en tout cas, est-ce que vous avez bien vu? Voilà, les lames, ok. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaîtra, je pense, très bientôt, d'ici peut-être demain, où tu verras donc du coup ton tirage étalé, ok? Allez, c'est parti. J'espère que ça t'aura guidé. Allez, c'est parti. On va voir qui c'est. Hop, je fais une coupe. Hop, hop. Même une double coupe. Hop. J'ai vu juste Fabrice. Magnifique, formidable. Gratitude, gratitude, gratitude. Très important, les amis. La gratitude. Je l'ai écrit sur mon mur. Mon mur de gratitude. De tous les messages que vous m'envoyez. De tous vos remerciements. J'ai plus de place pour le mettre. Il va falloir que je trouve un autre mur. Regardez, je vous montre vite fait. Hop là. Hop là. Hop là. Hop. Voilà, ça c'est le code des déontologies. Hein, donc, je ne peux pas vous montrer tous les messages de mes clients, de mes clientes. D'accord ? Alors, j'ai commencé une formation réflexo taille, j'adore et j'aimerais développer cela. Ok, magnifique Virginie. Alors, au lieu de dire j'aimerais développer cela, on va enlever le j'aimerais et je vais développer ceci. Voilà, une formation en réflexo taille, magnifique. Si tu adores, fais-le. Fais-le et tu vas jusqu'au bout. Même si c'est difficile, tu vas jusqu'au bout. Comme je vous le dis en permanence, c'est la personne qui n'abandonne pas, elle finit par réussir. Il faut juste être patient, patiente. Et si tu en as marre, si tu en as vraiment marre d'abandonner, eh ben cesse d'abandonner et tu continues. Voilà, tout simplement. Ok ? Merci pour le cœur, pour les pouces. Allez-y, mettez-moi des pouces, des cœurs. Et puis, partagez ce direct en cliquant sur le direct pour que un maximum de personnes sur Facebook puissent venir en direct. Ok ? Je suis là pour vous. Donc, profitez-en. Ok ? Et vous allez voir, comme je vous l'ai dit, même si je me répète, vous verrez votre tirage d'une autre façon sur ma chaîne YouTube. J'avais envie de faire ça, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Super Virginie, je vais développer ça. Oui, Nadia, comment ça va? J'ai eu marre d'en avoir marre et j'ai avancé. Magnifique, massage des pieds Virginie. Nadia, magnifique. Au bout d'un moment, sortez de votre zone de confort. Quand l'inconfort devient
quand votre zone de confort, l'inconfort devient douloureux, vous vous engagez. Le changement doit être douloureux. Quand vous êtes dans une situation vraiment, vraiment, vraiment horrible, vous êtes en couple, il n'y a plus rien qui va. Vous êtes vraiment au bord du suicide, vraiment au bord du burn-out, vraiment épuisement total, c'est un message très clair. Vous devez changer. Et quand tu en as marre, l'engagement, la situation, elle vient d'elle-même. D'accord ? Salut Géraldine, magnifique, je suis contente de voir que tu es là. Salut Mathilde, comment vas-tu ? Nadia, oui, continue à me suivre, c'est magnifique. Moi aussi, je te continue de suivre, je vois tes progrès. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Hein, ok, on y va, les amis. Hein. Nadia, tu y vas, tu n'abandonnes pas, on y va, tu abandonnes pas, tu abandonnes pas, tu abandonnes pas, abandonne pas, abandonne pas, abandonne pas. Quand j'en ai marre, que je veux abandonner, je me dis demain, ou après-demain, aujourd'hui, non, demain. Allez, c'est parti. Je voulais un petit peu rigoler un petit peu. J'ai envie de vous tailler un petit peu. Non, c'est pas tailler, c'est vous taquiner. Alors. Qui c'est qui veut faire un tirage? Dites-moi, question sentimentale, Virginie. Et Mathilde, je veux bien moi aussi. Allez, c'est parti, on y va. Ça fait plaisir de vous voir, les amis. Ah oui, Nadia, comme toi, tu n'as jamais abandonné. Et oui, et toi, tu le sais, Nadia. Depuis combien de temps je suis hein, ici présent sur ma chaîne YouTube où tu étais vraiment à mes débuts, hein, Nadia. À l'heure actuelle, plus de 2200 vidéos sur YouTube que j'ai partagées. Et j'abandonne pas. D'accord? Et toi non plus. On n'abandonne pas, les amis. Allez. Les tirages, oui, du boulot, boulot, boulot. Quand on est passionné. Quand on est passionné, on devient inarrêtable, ok? Allez, qui c'est qui veut une guidance? Allez, c'est parti. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui accepte mes énergies? Ah, bah ça y est, vous arrivez. Hop. Merci Nadia. C'est magnifique. Merci pour ton message. Alors, pour toi, Virginie. Ok. On va voir. Et après, Nadia et... Après Mathilde, ok. Alors pour toi, Virginie, on va voir ce qui se passe pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter tes énergies? Ah. Vous voyez? Magnifique. On a ici l'interminable tristesse du passé. Tu vois ici l'interminable tristesse du passé. Cette lame, en fait, Virginie, elle explique, hop là, ça brille un peu, que pour qu'une personne puisse accepter tes propres énergies, il faut que tu arrives à accepter les tiennes. D'accord? Donc, si tu as du mal à rencontrer une personne qui accepte tes énergies, c'est que il y a un manque d'acceptation de tes propres énergies. Donc, un gros, gros travail à faire sur l'acceptation de soi-même. D'accord? Et en finissant, en acceptant d'être la personne que tu veux devenir dans ton futur, à l'heure, là, quand tu auras décidé de changer, la prospérité et l'abondance, l'état d'esprit viendra à toi, Virginie. Aussi simple que ça. D'accord? Hop là. Vous voyez ici, on voit la lame de la prospérité et l'abondance. Donc cette lame, en fait, elle explique tout simplement que
le changement de soi-même est nécessaire pour qu'il y ait un changement de situation. Voilà. J'espère que ça t'a pu te répondre. D'ailleurs, dites-moi après un message, hein, les amis, ce que vous avez retenu de la guidance pour que ça intègre, que le message que je vous ai transmis soit intégré en vous. Alors, Mathilde Braco, hein, c'est parti. Alors, est-ce que tu as un message ou non? Rien du tout. Salut Adeline. Je vois pas vos messages. Hop là. Ah. Bravo Mathilde, magnifique. Tu me feras Nadia? Oui, il n'y a pas de souci. Mathilde, magnifique. Ok. Ah, super ça. La kinésiologie et ça va beaucoup mieux. Magnifique. Et oui. Les messages que je vous envoie, les amis, des fois, vous ne comprenez pas tout de suite. Et puis ça émerge dans le futur. Et vous dites, wouh! Mais ouais, ça prend sens, ok? Et ça, c'est magnifique. Merci de ton message, voilà. Eh oui, ça t'est arrivé en pleine face. T'as fait un travail avec la kinésiologie et ça va beaucoup mieux. Magnifique. Non, je te fais confiance. Ouais, magnifique, merci. Eh, ça me touche. Eh, comme vous, comme je vous l'ai dit, ok, les amis, depuis le temps, il y a Nadia, Mathilde, voilà, vous mettez des cœurs, des pouces pour les nouvelles personnes, ils le voient, d'accord? Si je suis là depuis... Nadia, ça fait combien de temps que tu me suis? 2 ans? 2 ans et demi que je suis... Ouais, déjà, ça passe. Si je suis là avec vous depuis aussi longtemps... Vous pouvez me faire confiance, voilà, tout simplement. Les personnes qui font, comment dire, qui sont mal intentionnées, qui font du mal, et ils perdurent pas, voilà, ils perdurent pas, tout simplement. On m'a attaqué, on m'a blessé, on m'a emmené au poste de gendarmerie pour vous expliquer, tout simplement. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a des personnes, ils croyaient que ce que je faisais, c'était pas légal. Voilà, j'ai montré les papiers, j'ai montré mon entreprise, mon numéro de SIRET, etc. Vous pouvez aller tout voir sur internet. Je suis clean, je suis légal, tout à fait. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. Et c'est magnifique. Et j'en donne davantage. Alors vous me faites confiance ou pas, mais en tout cas, ben moi, je prends le risque moi-même de vous faire confiance. D'accord? Et oui. Pour qu'il y ait une guidance, un accompagnement, pour que je t'accompagne, toi, avec moi, il faut qu'il y ait la confiance mutuelle. Tous les deux, une belle confiance, une belle connexion et les messages sont fluides et ils arrivent. Ok? Voilà, tout simplement. Nadia, waouh, 2 ans. 2 ans déjà, waouh, magnifique. Ouais, tout à fait. C'était propre progrès et te voir évoluer qui m'ont fait comprendre qu'il suffit d'avoir envie. Tout à fait, Nadia. Je progresse, tu progresses, nous progressons ensemble, nous réussissons. Je réussis, tu réussis, on réussit tous. Parce que ça sert à rien que moi je réussis de mon côté et d'être heureux tout seul. Hein? Non, 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 non. Cette croyance limitante que vous avez, certaines personnes qui ont, d'être heureux, vivons cachés pour être heureux, je vous la fais détruire. D'accord? On la supprime. On la supprime, cette croyance. Je sais que chaque être humain a quelque chose de bon à l'intérieur de lui et je fais révéler votre potentiel. D'accord? En faisant, moi, ça
ça permet aux autres de le faire aussi. Si moi j'y arrive, tu y arrives. Si moi j'y arrive, tu y arrives. Si moi j'y arrive, tu y arrives. Voilà, pour répondre à Nadia. Allez, donc pour toi Mathilde, on va voir ce qui se passe, ok? Je pourrais rester des heures avec vous, vous le savez, ok? Ça marche, ouais, nickel. Alors, on va voir pour toi Mathilde, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ah ouais, ah oui, on voit que ça va beaucoup mieux, hein. Ah, vous voyez, hein. Ah, tout à fait, magnifique Mathilde, regarde. Donc vous voyez, tu regarderas ma vidéo où tu verras les cartes en direct, comme ça tu vois en même temps que c'est pas trafiqué, rien du tout, ok? Alors, porté par le courant, et on a ici les furets papillons. Donc c'est de l'âme, très simplement, Mathilde, pour toi, on a cette lame portée par le courant. Ici, l'eau, c'est les émotions. Laisse-toi guider. Il y a des merveilleuses choses en toi, mais il y a des doutes sur certaines choses. Tu te dis, oui, mais en fin de compte, comment les gens ils vont percevoir? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Ce regard qu'il y a sur les autres, c'est augmenter sa propre valeur. Augmente ta valeur, Mathilde, parce que tu es une belle personne, d'accord? Tu as des belles qualités et laisse-toi guider. Tout simplement, peu importe ce que le monde extérieur va te dire, quoi que tu vas faire, ils vont te critiquer, te juger ou te condamner. Et plus tu vas réussir, plus tu vas augmenter et tu vas finir par même être jalousé. Donc, le plus important, c'est de croire en toi. La première des choses. Et bien sûr, ici, on a les furets papillons qui dit que c'est la renaissance. C'est de faire ce que tu aimes faire, peu importe les répercussions. Faire-le légalement et honnêtement, dans la lumière. Tu es une guerrière de lumière, comme moi, on est des êtres de lumière et on affronte les obstacles. Et la légalité, les lois, elles sont là pour être respectées. Et ça, ce sont des obstacles qu'il faut affronter, apprendre à travailler dans la légalité. Ok? Et là, laisse-toi guider, d'accord? Tu fais et tu verras que à un moment donné, tu vas créer un événement et l'événement va venir à toi. Ça prend du temps, ça prend je sais pas combien de temps, pour moi pas mal d'années, mais ça finit par émerger au bout d'un moment. J'espère que ça t'a parlé. On coupe. Hop. Alors, pour toi, Nadia. Alors, Virginie. Oui, exact. Donc, je continue de développer mes démarches, me mettre à mon compte et faire les massages et les guidances. Tout à fait. Tu continues, tu n'abandonnes pas. Tu continues. Tu développes, mettre à son compte, voire être auto-entrepreneuse au départ, et puis si ça marche bien, monter ton entreprise. Et tu continues. Même s'il n'y a pas de résultats au départ, très peu de résultats, les clients vont se faire petit à petit au bouche à oreille. Amène des résultats, sois bon dans ce que tu fais. C'est aussi simple que ça, Virginie. Beaucoup trop de personnes se prennent la tête à...
vouloir créer des choses de qualité, blablabla, blablabla, tu vois. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Faut être utile. Amène des résultats. La personne qui vient à toi, elle a un problème. Tu résous son problème. Tu trouves la solution à son problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faut être utile et généreux. Je suis là totalement avec vous en générosité, vous le savez depuis pas mal d'années. Alors, Jessica Paricel, je ne sais pas si tu as vu ma question. Je vais revenir. Ah, je peux avoir un message de mes guides ou faut une question. Ah, j'ai pas vu ta question. Martine Ferrer, je suis nouvelle, alors bienvenue à toi. Hey, les amis, mettez-lui un petit pouce bleu à Martine, à Laurette le Jeune, à William, à Laura. Allez, mettez des pouces bleus, des cœurs magnifiques, de plus en plus de personnes, c'est cool. Mathilde, rien lâché, merci. Waouh, tu vois, le petit bras, hein, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Hey, le lion, on lâche pas. On lâche pas, les amis. Je suis là pour que vous réussissiez. Je sais que vous voulez entreprendre. Vous voulez plus dans votre vie. Je suis là pour vous faire progresser aussi. D'accord ? Les gens qui veulent pas progresser, on les met de côté. Je peux pas aider tout le monde. Je peux pas aider tout le monde. On peut pas aider tout le monde. Déjà, on s'aide nous en contrôlant, en maîtrisant nos émotions. On réussit et on fait réussir les autres. Et je veux que vous réussissiez vous aussi. Ok ? Ok, alors. Ok, alors. Nadia, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai hâte de t'entendre. Ok, allez. On va faire un pour toi, Nadia. Et puis après, Jessica. Ok ? Hop, attendez, je me remets. Salut Sébastien. Alors, pour toi, Nadia, on va voir ce qui se passe. Magnifique, hein. Quoi, la lame elle a sauté, magnifique. Ah oui. Waouh, c'est magnifique pour toi Nadia, c'est trop trop bien. Regarde, on a ici, hop là, je ne sais pas si on voit bien, voilà, comme ça tu reverras. Elisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Donc cette lame, en fait, tout simplement, elle correspond à la force. Et la force, c'est la force intérieure. Calmer tes émotions négatives, la rage qui est à l'intérieur de toi, et transforme-la en sagesse. Transforme tous ces messages négatifs des personnes qui viennent t'attaquer uniquement pour pas que tu réussisses. Donc c'est ça, Elisabeth et le lion, c'est transformer en toi cette force qui est à l'intérieur de toi, qui est déjà. Alors comment on fait, tu vas me dire peut-être, en te connectant à Mère Gaïa, à Mère Nature. Alors fais cet exercice, d'accord, ça ce serait magique, tout simplement, c'est d'écarter les bras en l'air, en signe de victoire. Les jambes aussi, et te reconnecter à Mère Nature. D'accord ? Fais ça, et au pire, fais des sauts en même temps. Tu sautes en te connectant. Cette lame, en fait, elle te permet tout simplement de travailler ton ancrage et d'avancer pleinement. D'accord, Nadia ? Et qu'est-ce qui se passe ? Message bonus pour toi. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Le courageux envole de peau. Ça, c'est magnifique, Nadia. Je sais que cette lame, elle va te parler. Pour avoir de l'argent, t'as pas besoin d'argent, t'as besoin de courage. Plus tu es visible, plus tu amènes
des solutions aux personnes et plus tu obtiendras de résultats. Fais-toi confiance, fais confiance aux personnes et tu finiras par réussir. Le courageux en vol de peau, c'est ça en fait. Envole-toi, montre aux autres la qualité, les qualités que tu as, Nadia. Ok ? Magnifique. Si tu travailles tes peurs avec une kinésio, c'est magnifique. On peut travailler ensemble tes peurs aussi. En fait, le travail des peurs, c'est affronter tes peurs. Ça s'appelle le courage. On y va. Je suis là, on y va. On passe à l'action. Il n'y a plus le passé. Le passé n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent. Là, on est là, instant présent. Et ce que tu veux faire dans ton futur ? Qui veux-tu devenir dans 5 ans ? Pas l'année prochaine, pas dans 10 ans, dans 5 ans. Fais-toi une liste et dans 5 ans, je veux être ça, 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 ça. Ok, vas-y, fais-le. C'est aussi simple que ça. Passe à l'action en mettant des stratégies, des méthodes bien précises pour pas tomber en burn-out, ok ? Et puis pour pas qu'il y ait l'effet du tapis roulant, d'accord ? Comme la petite souris ou quand tu es sur le tapis roulant à la salle de sport, tu vois ? Les gens, ils courent, ils courent, ils courent, et au bout d'un moment, ouais, mais Fab, je passe à l'action, hein. Ouais, ouais, tu passes à l'action, ok, ok, ok. T'as des résultats? Non. Donc, il y a des stratégies, des méthodes bien précises pour que ça marche. Ok? Allez, je te retrouve très très vite. Voilà, mettez un petit pouce bleu pour Nadia, parce que elle a pas beaucoup trop de temps, et elle va partir. Ciao Nadia, si tu restes plus, voilà. Alors Martine, Laura Despradel, jamais 203, je retente un message sentimental pour moi. Hé, hey, les amis, soyez persévérants, ok? Comme je vous l'ai dit, moi je vois les messages qui défilent, donc du coup je vois pas, voilà, je vois pas. D'ailleurs, en message privé, envoyez-moi vos, quand vous m'envoyez vos messages, n'hésitez pas à me relancer parce que tous les commentaires, je ne les vois pas tous, ok? Alors, pour toi, Laura, bonne journée à tous. Oui, magnifique. Qui c'est qui m'envoie une invitation? Laura Despradel, on va voir. Hop. Et Myriam. Hop. Hop là. Allez. C'est parti. Magnifique, magnifique. Hop, à jouer en cours. Tu veux passer devant la caméra? Il n'y a pas de souci. Non. Il n'y a personne. Ah, vous êtes trompé. Ok. Ouais, j'ai pas de message. Hop, mais j'ai pas de message. Mais j'ai pas de message. Ok, ok. Moi, vous savez, vous voulez passer avec moi en direct. Moi, je vous ajoute, hein. Invité, passer à la caméra et on y va. Ok, on affronte nos peurs. Tu m'as zappé là, je crois. Non, je t'ai pas zappé. Alors. Adeline, il n'y a pas de souci, je vois tes messages. T'inquiète pas. Alors, je vais juste voir qui c'est qu'il y a. Allez, Laura. Un message sentimental pour toi. On va voir ce qui se passe. Pour toi, Laura. Votre micro. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi un pouce bleu si vous m'entendez, parce que là, Merveille m'entend plus. Alors peut-être que ça vient de toi. On n'entend plus.
Ah, zut. Moins qu'avant. Ça, c'est bizarre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends, Denise. Ok. Bon, c'est la joie du direct. Je vais parler peut-être plus fort. Le son est bas. Ah, pour moi, non. Super, je patiente. Non, moi, le son, il est nickel pour moi. Moi, tout est nickel pour moi. Ok. Alors, je vais parler un peu plus fort. Le son a baissé d'un coup. Alors ça, je sais pas pourquoi. D'où c'est, comment ça se fait. Oui, on t'entend là. Magnifique. Allez. Du coup. Alors, j'en étais où? Avec Laura. Hein. Laura, allez. J'espère que tu m'entends. Tu m'entends, un petit pouce bleu, nickel. On va voir pour toi, Laura. Magnifique, tu vois, pour toi, Laura, on a ici la princesse grenouille, d'écouter un sage conseil. Ça veut dire, en fait, au niveau sentimental, c'est de t'écouter en priorité. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie, Laura? Quelle personne voudrait que tu... qui rentre dans ta vie, d'accord? Sache que ici on a la lame de la récolte de saison, et comme tu l'as dit, jamais 203, et cette lame, en fait, tu récoltes ce que tu sèmes. Et si tu veux attirer à toi la magnifique personne, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, tu attires à toi ce que tu es. Donc si tu veux avoir cette magnifique relation, cette flamme jumelle, cette magnifique personne, bah deviens cette personne-là. La personne que tu as dans ta tête, que tu veux avoir, devient cette personne-là. Et à ce moment-là, elle apparaîtra. C'est miracle, c'est magique. C'est aussi simple que ça. Si toutes les personnes qui viennent à toi, qui ne vont pas dans ta vie, c'est qu'elles ont les mêmes vibrations que toi. Et si tu n'aimes pas cette chose qu'il y a chez cette personne-là, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez toi. D'accord? Tout simplement. J'espère que ça t'a parlé, Laura. C'est compliqué. Si c'est compliqué, qu'est-ce qui est compliqué chez toi? C'est un manque de clarté. Et si c'est un manque de clarté, bah, je peux être utile pour toi. Tout simplement. Ok? Bon, les amis. Alors, il y a qui maintenant? Tu as un parcours flamme jumelle magnifique. Tu vois, en plus, une flamme jumelle est ressortie. Alors, il y a toujours moi, Jessica, je suis avec toi maintenant, Jessica. La patience, soyez patient. Prenez une graine de pommier, plantez-la dans votre jardin si vous en avez un, ou dans un pot de terre. Et quand des pommes arriveront, tu comprendras ce que c'est que la patience. Je te fais une petite parenthèse, oh, je te taquine, hein.
Allez, c'est parti. On va voir pour toi, Jessica. Il y a toujours moi. Ok. On va voir pour toi ce qu'il y a. Pour toi, Jessica. Ah, toujours, hein. Ça change pas, hein. Ça change pas. Regarde. Pour toi, Jessica. Hein. Dis donc. Oh, attends. Je vais me remettre. Hein. Hop. Hop.